Et je passe la parole à Jean-Séjean Gennadrian de la société Spartan. Parce que la majorité le détermine, la direction de la Société portugaise d'auteurs a décidé de donner sa médaille d'honneur, la façon plus haute, plus visible de considérer, de célébrer et de consacrer le travail d'un grand auteur à Jean-Michel Jarre. Et considérant son excellent, extraordinaire travail comme pianiste, comme compositeur, et d'une façon très particulière, son excellent travail comme président de la CESAC, et la façon que nous avons écouté juste maintenant de défendre une idée, une cause et une lutte qui appartient à toutes les personnes qui sont ici et un peu dans le monde. J'ai avec moi un grand compositeur et pianiste portugais, Tony Vitorino Damael. Je demande sa présence ici. Parce que je pense que c'est très important d'avoir un auteur, un grand auteur portugais, un homme du piano et de la grande composition pour livrer la médaille d'honneur à Jean-Michel Jarre. Et avec nous, nous avons l'adjoint du ministre de la Culture, un grand poète portugais, aussi professeur de l'université, et qui a dirigé d'une façon exemplaire pendant des années le fonds de soutien pour la lecture et le livre en Portugal, faisant depuis tout le moment là, qui va lire un texte d'hommage direct à Jean-Michel Jarre.